Bienvenue sur À l'extérieur, qui pour une fois est à l'extérieur. Et on est facteur. Encore cette semaine, la dernière fois, on a fait du courrier, du recommandé. Et aujourd'hui, on va aussi faire des colis. Donc potentiellement, vous avez commandé un truc. Potentiellement, on vient vous livrer votre colis. En tout cas, on commence à avoir de l'expérience dans la poste. Là, c'est la deuxième semaine. Normalement, on n'est plus à notre coup d'essai. On devrait être moins ridicule que la première fois, parce que la première vidéo, c'était sur sa chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va accompagner Lydia sur sa tournée. Hâte de la rencontrer, du coup. Tu sais que c'est un petit rêve, quand même, de monter dans le camion jaune de la poste. Et bah, go dans l'établissement des courriers, on va rencontrer Lydia. Et on commence à avoir l'habitude, hein. Bonjour Lydia. Lydia, c'est ça? C'est ça, oui. Bonjour, bonjour Lydia. Bonjour. Bon, on te laisse te présenter. Eh bien, je suis factrice depuis plus de 20 ans. Et là, sur une tournée comme ça, il y a beaucoup de colis? Alors, moi, je fais du colis, ouais, du courrier et des recommandés. Moi, je suis une tournée... Mais je suppose qu'il y a plus de lettres que de colis. Il y a plus de lettres en termes de quantité, ouais, mais il y a beaucoup de colis. 60 au minimum, ouais, et en période forte, je peux dépasser les 100-110. 110 colis? Ouais, et j'ai gagné du temps avec vous aujourd'hui alors. J'aurais pas la prétention de dire qu'on va se faire gagner du temps, mais... Mais on va essayer. C'est ça. Du coup là, ouais, c'est ton bureau, ça alors... c'est le tien tous les jours. Et en fait, vous voyez ça, c'est le sens de la tournée. Ah, je m'y connais, hein, du coup je prends cette liberté d'expliquer aux internautes. Mais attends, t'as un petit sticker. Bah, ici on m'appelle ma poulette, mais sinon on m'appelle Lily dans le quartier. Tu préfères qu'on t'appelle Lily ou ma poulette? Non, bah, ou chef. Ou chef, on peut t'appeler chef. Alors non, je suis pas chef, mais coach. Lily c'est coach, c'est bien. Coach c'est bien. Coach poulette. Coach poulette. Allez go, on y va. Ah, c'est ça le véhicule. Tu t'as dit elle est là? Genre c'est une fille? Bah c'est la mienne. Elle s'appelle comment? Ah d'accord. Ça c'est ma petite voiture, c'est ma petite titine. Après ma titine. Donc elle est quand même propre. Ça va, elle est abîmée. Alors, c'est toi qui as fait ce pète? C'est remplaçant, mais c'est pas. C'est toi? Alors petite anecdote, j'étais vers une entreprise au feu rouge, un camion, il m'a rentré dedans, j'étais à l'arrêt. J'ai vu le camion se déporter, mais j'ai eu peur. Finalement, elle a vu le camion qui s'était. Ouais, ça va en vrai, c'est pas. Ah, ça c'est pour vérifier la pression. Ouais, vérifier la pression. C'est génial ça. Ah. Non, bah là tu l'as mal. Dans le trou, madame. Là tu dégonfles le pneu. Le gars est un saboteur. Désolé. C'est pas grave. Donc pression des pneus. Pression des pneus, ok. Non, mais on est pas mal, tout est bon. Ça, tu peux pas le livrer. Attends, ça on livre aujourd'hui. Si, on va le livrer. Ah ouais, oui. C'est gigantesque. Et ça m'est déjà arrivé des tracteurs, des pare-chocs. Oh, c'est lourd, hein. T'as vu? Ça, tu vois, il est détérioré sur le côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire un constat. Je vais te poser une question sur les vols. Est-ce que ça arrive? Non. Non. Bah, pas chez nous, bah non. J'avais que poser ta question. Est-ce que tu voles parfois? Alors, non. Il a dit ça. Oui, j'ai posé la pire question possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre en case le courrier. Ok. On dirait un room service dans un hôtel luxueux. Là, je joue un jeu dangereux. Je vous ai posé un endroit. Je fais attention et à la caméra et au courrier. Et on est de retour au bureau. Comme je vous expliquais tout à l'heure, là on est en train de trier le courrier dans le sens de la tournée. Comme ça nous permet tout avoir dans bon ordre pour livrer les gens. Et je vais aller les aider. Il y a beaucoup de colis, beaucoup de courriers. Beaucoup plus que la semaine dernière. Attends, on va faire un petit test de connaissance garage. 7 rue Renault. Ouais, let's go. Alors 64 rue du Moulin du Président. Alors, il y a soit sécurité, soit... Bien, on fait genre qu'on est efficace parce que là on se fait manger. Bon allez, là on va avancer, on passe en mode rapidité. On se dégage, c'est de la pute. Le furieux. Le facteur qui a un filtre anti-spam. C'est... Eh ben c'est bon, on a fini. On est dans les temps là ou on est complètement naze? On va courir. Ok, on est naze. On va flasher nos colis. Ça marche, poulette. Allez. Allez, vas-y, flash. T'appuies comme ça, comme un pistolet. Ok. Flash. J'ai l'impression d'avoir plein de cadeaux. Ah, c'est moi le malin. On va courir, hein. Ah, désolé. Il y a tout ça, c'est à nous, ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Même le sac à main, il est à nous. Toi, t'as trouvé un sac à main? C'est fou. Et alors, les garçons, eh ben, il y en a un qui va prendre ça. Moi, je prends ça, hein, c'est parti. Et moi, je vais prendre celui-ci. Vous étiez pas trop, hein, aujourd'hui. Au devant. C'est parti pour la livraison. Je sais même pas si tout va rentrer, hein. On va jouer au Lego. Alors tu vois, on a classé. Ouais. Donc, la première caissette, c'est celle-ci. Donc on va prendre la dernière pour pouvoir ne pas manipuler trop de... Ouais, on mélange pas le courrier et les colis du coup. Ça va vraiment être chaud au niveau place. Qu'est-ce que t'es en train de faire?
J'ai rarement vu un gars avec une position aussi étrange. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'essayer d'installer un siège. Le gros colis, on le met à la fin ou au début? On va le mettre au début parce que ça va être en début de tournée. Je vais pas l'abîmer. Je le prends comme ça. Non, c'est parfait. Flexion. Eh, ça passe, hein. Eh, un vrai pro. Ah oui, il va falloir le coulisser. Voilà. Eh. Parfait. Deux déménagements en un an, j'ai fait, hein. Depuis. C'est une vraie organisation de non, tout bien trier. Mais tu vois, ça pareil, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Et on est bon pour ce matin. C'est ça. Allez, les garçons, je vous amène avec moi. Eh bah, go. Et oh, c'est parti. Allez, viens, mon petit. Je vais te gêner, là. Non, allez. Oh. Ok. Alors, par contre, je vais redescendre. Vous êtes installés. Je vais prendre le courrier. Ouais, ça roule. C'est la première fois qu'on est aussi proche, tu les. Oh non. Oh, hein? Oh, oh non. Ah bon? Non. Hein? Bon, on est parti? Ouais. Oui, bon, on est parti. On va où? Je sais pas, tu veux qu'on aille où? À Paris? Dans ces conditions-là, voilà. Bof. Le premier point, il est loin? Non, bah, allez, dans 5 minutes, on y est. Okay. Et comment t'as fait ce métier, du coup? Alors, moi, j'ai commencé très tôt à la poste, à 19 ans. Okay. C'est ce que je disais, c'est une proximité. On aide les gens des fois, tu vois, on est là pour, on les écoute. Donc là, c'est le premier arrêt? Premier arrêt, les amis, on va aller au 4. Moulin du président. On livre notre premier colis, c'est ça? C'est ça. Tu vois, la boîte aux lettres, elle est glissée. Je peux pas l'ouvrir. Ah, ça passe pas? Ah, non. Et puis tu vas donner à la personne directement, ouais, en face. Et si la personne, ouais, elle est pas là? Bah, moi, je fais une deuxième présentation. Okay. Je mets un papier comme quoi je repasse les mains. Est-ce qu'il y a un numéro dessus? Je connais la personne, mais j'ai pas son numéro. J'insiste, hein, pour essayer de le livrer à tout prix, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un avis de deuxième présentation. Ah, j'étais sûr avec mon petit colis. Petit avis de passage. Putain, ça devait être chiant de te remplir. Ah ouais, mais t'es obligé. En plus, ça te rajoute un temps monstre sur ta tournée. Bah oui, en fait. Je préfère quand ils sont là. Ah, est-ce que c'est pas la dame? Ah, c'est la voisine, ils se connaissent bien. Il n'y a pas besoin de signature, je vais peut-être lui demander. Est-ce que je peux vous laisser le colis de la voisine? Voilà. Eh ben alors voilà, on va paraphiler. J'ai le marqué que je l'ai mis chez vous. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée. On va aller à l'épicerie solidaire. On va se mettre là. Bien. Hop, le gros colis. Il est en enfer. Je vais te péter la tronche. Mais sors-nous le diable. Sors-nous le diable qui est dans cette voiture. Bah, attends, il est tout petit le diable. Il va te faire mal. Mais attention, c'est un peu lourd. Allez, mets-moi ça là-dessus. Voilà, alors. Est-ce que c'est pas mieux? Attends, parce qu'il y a des vraies techniques, hein. Faut y aller en marche arrière. Allez, oui. Allez. Bonjour, monsieur. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, c'est tout bon. On s'est permis de l'ouvrir, on l'a essayé. Bah, super toboggan. Ouais. Bonjour. On arrive en équipe là. Vous êtes venir en forme. Bonjour, c'est ça. Vous m'avez appelé pour une commande de table. Oui, absolument. Allez, bah, c'est parfait. Je ramène ça demain. Allez, avec super. La facture à traduire. Parfait. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allez, go les garçons. Tiens, je vais prendre le 23. Ouais. Mais tu vois, tu fais beaucoup de montée-descente. Ok, donc là, tu mets tout d'un coup. Bah là, oui, là, je classe par entreprise. Ah, mais ça, c'est un gain de temps monstrueux du coup. Bonjour. J'ai trois commandes. C'est parfait. Important. Ok, donc là tu récupères. Ça, c'est ce que tu as déposé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on récupère. Merci, chef. Eh bien, passez une bonne après-midi. Bon après-midi. À demain. Au revoir. Au revoir. Et encore une porte qu'on ouvre. La 594e de la journée. Ça enchaîne, hein. Ah ouais, tiens. Oh ok. Oh, 610e ouverture de porte. Moi je me dis, tu sais, les voisins, faut qu'ils soient responsables entre eux. Hop, je mets tout dans une boîte aux lettres. À chaque fois, chaque jour, je mets tout dans une nouvelle boîte aux lettres. Et puis tu sais, ils redistribuent aux autres. Ça crée du lien social. On avance bien ou pas du tout? Ouais, si, ça marche. Ça veut dire qu'on avance pas. Hein. On n'avance pas assez vite, ça, c'est. Tu peux le dire, hein, si on est trop lent. Non, bah écoute, hein. Vous êtes vraiment des loulous, hein. On est des loulous. C'est très gentil. C'est vous êtes vraiment des loulous. C'est l'insulte la plus gentille du monde. Donc là, on va aller au conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Il a perdu sa clé. Donc il me sollicite pour écrire. Hop. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bon, ça, c'est fait. Collecte primo, c'est parti. Bonjour. T'as pas de courrier? A demain. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Alors là, je vais pas vous faire monter. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Oui, okay. Non, bon, on veut pas être en retard non plus. Non, mais c'est pour vous. T'as récupéré tout ça? Tout ça, c'est une collecte primo. Alors. Là, on a combien de pourcents de la tournée, à ton avis, selon toi? Là, ce que j'ai fait? Ouais. J'ai à 10%, 15%. Arrête. Ah, ouais. Ah oui. Ah, on n'est pas du tout bon, là. Ah, on est très mauvais. Huch. 680e ouverture. Donc tu vois, il y a la petite sacoche rose. Ça veut dire qu'il y a du courrier à faire partie. Voilà. Il n'y avait pas de courrier pour vous aujourd'hui. Bonne journée. Au revoir. Ça, c'est vraiment le jackpot, hein, quand t'es face à ça. Bah là, il faut connaître. Et ça, on va leur donner parce qu'on a recommandé pour eux. Bonjour. On lui-même dans les salles de sport. Dites-moi, vous voudriez pas de temps, par hasard?
ça c'est pas moi qui gère, malheureusement. Des lettres suivies, un petit calendrier. En fin d'année. Vous êtes à fond, c'est excellent. Merci. Au revoir. Donc là je me mets ici en warning. Hop. Ah vas-y, je fais celui-là. Le Amazon. C'est ça, le Amazon. Eh, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, hein. Ah mais attends, t'as une démarche vraiment de gars qui a l'habitude. Hop, bonjour. Voilà, marque destinataire. Okay. Passez une bonne journée. Bonne journée. Okay. Bonne journée. Du coup, quand le colis peut pas rentrer dans votre toilette, on dit que c'est non boxable. C'est et là, t'es obligé de venir le remettre dans la porte. Alors, comment ça va? C'est physique? Ouf. Bon, on vient là, on est dans la salle de pause, du coup je te vois pas. Et vous avez tous trop de cheveux là, Ah bah c'est sûr que toi t'en as pas beaucoup. Non, je rigole. On vient de manger, on va déjà reprendre la tournée du coup. Allez, go. Go. Déjà. Ok. Ah, tu veux qu'on ait posé longtemps? Non, mais c'est surtout qu'on a encore une tournée à finir. Ah ouais? C'est reparti au pas de course derrière le coach. Derrière la coach. Allez coach, petite foulée. Ça, c'est ce qu'on avait laissé tout à l'heure du coup. Ouais. Ok. Fais attention mon loulou. C'est un loulou. Je ne dis pas ça comme ça. Si. Non, un petit peu. Petit loulou. On est des chats. Lydia qui pensait que la digestion allait nous calmer. C'est faux. On commence par la fin. Super, j'ai déjà fait une erreur. Hop, hop, hop. Mec, les mecs sont montés, c'est Amstram Grave. Hein? Ouais, ouais. Amstram Grave, il s'appelle. Il m'a eu à distance. Tiens, dans la même sens, c'est Amstram Grave, non? Je veux qu'on livre cet homme. Ça fait que c'est l'expéditeur. Ah merde. Ça va pas livrer. Oh non. Allez, viens Alex. Et ben là, on remet la ceinture parce qu'on va venir d'où on vient. Donc là, on va aller voir une entreprise qui a fait une commande de timbres. Sur moi, on va essayer de lui en ajouter un. Ouais. Les menaces sont autorisées dans la négociation ou... Les bonnes explications. Je vais lui expliquer correctement les choses. Je vais pas le menacer. Je vais lui expliquer correctement. Oh, on rigole bien là cet après-midi. Écoute, au moins on découvre ton métier dans la joie et la bonne humeur. Eh ben oui, non mais c'est ça. Après tout. Bonjour, c'est vous qui avez commandé des timbres? 4 carnets. Dites-moi, vous en voudriez pas 5 par hasard? Ou 6? Ah, ça c'est un carnet de timbres du coup. Ça c'est un carnet, t'en as 12. Ils sont beaux en plus, regarde. Ils sont ouais, c'est des beaux petits carnets de timbres. Wow. Merci à beaucoup. Demain. C'est quoi le plus gros colis que t'es livré? Déjà... Moi j'ai déjà livré des roues de tracteur. Des roues de tracteur? Attends, ça faisait combien ça? T'as livré des roues de tracteur? Une roue, ouais, des portières. Ah ouais. Une portière? Qui envoie une portière par colis? Donc là on livre un choix client, c'est-à-dire ouais, que c'est ça. La dame a voulu que ça soit relivré à cette date-ci. Voilà. C'est ça? Ça c'est quoi? C'est un colis? Ça, c'est une lettre recommandée. À mon avis, elle est pas là. On sonne une troisième fois. Allez, on insiste. Bon, elle est peut-être partie. Eh ben, on tombe à pied. On est déjà passé une première fois, mais bon, j'ai dû faire une petite marche arrière. Comment ça va? Ça va. Le choix client? Voilà. Et une ici. Eh ben, merci. Ok. À merci bientôt. Beaucoup. Au revoir. Eh ben, voilà. Bonjour. Bonjour, madame. On a un colis. Madame pour Van Bruxelles? Oui. Ah. Voilà, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Merci. Tu veux que j'aille poster l'autre colis? Ouais, on va se fâcher. On va le flasher, on va se fâcher, je comprends plus rien. On va se fâcher, Lydia. On se fâche jamais. Hop là. Le mis en boîte aux lettres. Parfait. Ok, super. Allez, on retourne dans la voiture. On dirait un facteur qui a volé un truc. Oh, putain, le con. Non mais oh, ça va pas la tête? Il va falloir que je règle le siège, j'ai des petites pattes. Mec, j'ai envie de remonter son siège. Non. Bon ça va, elle est à l'aise là. Elle est à l'aise. J'espère que t'as pas trop mangé ce midi. En fait j'ai une scoliose. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai? Elle est ultimomisme. Allez, je vais vous laisser le faire avec moi. Ok. Ouverture de porte, 1394. Allez, on va le flasher. Alors tu vois, le colis, il a mal été tité, regarde, il manque le début, en espérant que ce soit bien en 14. Il y a un monde où on le livre pas, le dernier colis. Oh non, pas le non, il n'y a pas le nom. Donc à mon avis, c'est au 4. On doit y aller en voiture ou... Ouais, on y va en voiture. Donc là, le 4, c'est avec la plus loin. Je vais prendre le colis pour être sûr qu'on ne fasse pas une erreur de livraison. On se tire, gros. On se tire. Je vais essayer de rappeler et laisser un message parce que l'adresse est pas bonne. Donc c'est bon, on va pouvoir le marquer livré et je te laisse t'en occuper, tu vois. Merci beaucoup. Parfait. Passez une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Alors Lydia, comment ça s'est passé?
Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais. On a fait pas mal de rencontres finalement. Sinon, en prestation, tout a été fait. On a fait le choix client. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Notre choix client colis. D'accord. On a remarqué que c'était vraiment le rush. Et ils ont fait des belles performances parce qu'ils ont. On a vendu des timbres. Et compte, c'est bon, tu regarderas pour faire le débrief numérique. Ouais, on va le faire. Hein? Je vais leur montrer. Voilà. Directement voilà. Sur le téléphone. Tout, ouais, tout okay. Fait sur téléphone. Merci. Merci à vous. Là, tu vois, je reflash tout. On a ramené les avisés. Il nous reste plus qu'à flasher un colis. Tout a été flashé, zéro. Là, on peut clôturer sans erreur. Ok, regarde. Super. On n'a pas d'erreur du coup. On n'a pas d'erreur. Et ça, c'est la caissette de la vente de nos timbres. Yes. Parfait. Là, c'est fini là. Bah là, c'est fini. À part si tu veux qu'on recommence. Bah ouais, je pense qu'on peut se renvoyer une petite fois. Non, c'est assez épuisant comme ça. Franchement, c'était, ouais, c'était bien, c'était cool. Ouais, je pensais pas que c'était aussi physique. Parce que même si on était en camionnette, il y a tous ces moments où on s'arrête, machin. Lydia, elle nous disait que par jour, elle fait entre 10 000 et 13 000 pas. C'est plein de petits détails en fait. C'est de la surveillance. Moi, j'étais assez impressionné de la relation que t'as avec les gens. Parce que tu les connais par cœur en fait. Non, mais c'est cool de montrer que Factor, bah, c'est pas juste tu vois, de la livraison de colis, de courrier. Et j'espère que vous vous en êtes rendu compte aussi. Donc maintenant, le Factor en fin d'année, quand même, ses petits calendriers. On fait quoi? On lui achète. Hein? Et plus que 5 balles. En tout cas, merci Lydia. Merci à vous. De nous avoir supporté pendant toute cette journée. C'était un plaisir de vous avoir avec moi toute la journée. Je sais pas si tous les facteurs seront comme toi, mais en tout cas, si tous les facteurs sont comme toi, bah, c'est. C'est royal. Et puis, même plus globalement, c'est tous les gens comme, dans la vie, t'es comme toi. C'est vrai. Ah, ça, c'est vrai, depuis le départ, là, le smile. Ouais, attends, c'est trop grave. Je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai fait une déclaration. Ah. Merci à la Poste, du coup, de nous avoir permis de découvrir ce métier. Allez, loulous. Les loulous. Les loulous. Salut les loulous. Salut les loulous.